Bonjour Linovore. Alors, on a reçu de chez Algogesco, hein, c'est ça? Algolesco. Algolesco. Donc, on a reçu Des algues de wakame bio. bio. Et alors, il y a plusieurs découpes. Hein. Là, on a choisi la julienne en surgelé. Donc, j'en ai sorti un tout petit peu hein, pour la recette. Voilà, j'en ai sorti un tout petit peu là du congèle. Donc, ben, on va faire une petite recette. Donc c'est bio. C'est fabriqué, récolté en Bretagne. C'est des produits que nous avons déjà testés par le passé dans d'autres catégories. Et là, c'est assez sympa. On trouve que la coupe est assez bien puisqu'elle est épaisse. C'est une coupe assez épaisse. Enfin, en tout cas, c'est un produit qui est coupé sur un gros morceau et naturellement épais. Donc là, on a cuit un petit panais à l'anglaise. Donc c'est simplement de l'eau bouillante avec un petit peu de sel. Dessus, on a ajouté un caviar d'aubergine. Et puis là, on va travailler des petites billes de chèvre aux herbes. Ensuite, on va juste mettre sur notre fromage la partie un peu côté iodée. Voilà, huile d'argan et puis un peu de balsamique. Hop. On va déguster. On est presque comme une huître. On a une mâche qui est proche d'une huître. C'est vraiment un produit innovant parce qu'en fait, encore une fois, algues, produit de la mer. Dans la grande tendance qui est de ne pas manger forcément carné, on a aussi là une approche végétale très intéressante. Donc pour nous, c'est un vrai produit qui permet une nouvelle innovation, une nouvelle création dans la carte. Et puis on en fait ce qu'on en veut. Hein. Après, voilà, nous on l'a travaillé comme ça. On peut le travailler sur une salade, on peut le travailler sur un plat, on peut faire comme une petite viennoise sur un poisson. On peut le paner naturellement parce que ça a une forte, comment on pourrait dire, un fort collage dès que c'est sur une matière. Donc c'est plutôt très très bon. C'est validé.